métro là. On va pas prendre le métro là, on va pas éteindre du parcours. Super. Donc là, merci, il est ici. Nous, la rue. Ça fait mal au cœur qu'il y ait si peu de monde. On a un peu de fric quand même. Il y a souvent plus de fric que vous avez. Bah ouais. Définitivement un œil, un testicule ou une main. Nous avons pris un tir de flashball dans la tête ou reçu une grenade sur le pied. Nous avons perdu des dents ou l'odorat. À chaque seconde de notre vie, nous subissons à même notre corps l'ultra-violence de la répression. Handicap, séquelles, douleur, traumatisme et nuit blanche. Mais rien de tout cela ne nous fera taire. Nous nous serrons les coudes et nous nous battrons ensemble pour la vérité sur la répression, la justice pour les blessés et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. Nous avons bien sûr une forte pensée pour Zineb Redouane et Rémi Fraisse, leur famille, ainsi que toutes les personnes tuées et mutilées par la répression dans le silence et l'impunité la plus totale. Pour rappel, depuis le 17 novembre, 24 personnes ont été éborgnées. 5 ont perdu la main. 1 a été amputé d'un testicule. 2 ont perdu l'odorat. Une dizaine d'autres ont été mutilés, pieds, gencives, dents, et ainsi de suite. Autant de vies détruites et de familles traumatisées. Les mutilés, pour l'exemple, nous ne lâcherons rien! Je vais vous dire,
Situation